Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue sur mon site web à la zone du petit cœur au pansement où vous pouvez vous exprimer librement et écrire vos préoccupations, questions. Et puis moi, de mon côté, je lis tous les messages que je reçois et j'en choisis un au hasard et j'y réponds et je partage la réponse sur YouTube de façon anonyme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, garder l'anonymat, comme cette personne-ci pour ce tirage, ou vous pouvez aussi me permettre de divulguer votre prénom ou signe astrologique. Tout dépendra de vous. Donc, voilà. Maintenant, concernant la question de la personne, elle se demande si elle va bientôt avoir une relation sentimentale sérieuse. Bien, ici, cette carte-là me parle de vous et elle me dit que vous êtes rendu à vouloir connaître la vérité. Il y a comme une révélation qui va arriver à vous et puis c'est une carte qui nous parle de renaissance. C'est un peu comme si le passé, là, on le laisse derrière soi et on renaît de nouveau. Voilà. Et les cartes qui vous entourent, ce sont des énergies assez puissantes. Même si on aura envie d'abandonner, on manque de courage, on vous dit de persévérer. Puis, oui, ce sont vraiment de belles énergies encourageantes. Et c'est ce que je vois en haut. On parle du conflit mental. Et cette carte-là signifie une incapacité à aller de l'avant, à agir. On est préoccupé. On doute de soi. On a de la difficulté à prendre une décision concernant une personne. Mais ici, ce qu'on dit, concernant votre question, vous allez bientôt avoir la possibilité de vivre une relation sentimentale sérieuse. Ce qu'on me dit, c'est que le mouvement est positif. On s'en va vers l'avant et ce qu'on me dit, c'est que ça va dépendre de vos choix ici. C'est un peu comme ça va dépendre de votre décision. Mais dès que votre décision va être prise, les cartes sont belles, les cartes sont très positives et on me dit ici que il va y avoir des occasions positives, des occasions positives qui vont se présenter à vous, des opportunités. C'est une carte aussi qui peut représenter le succès. Il y a un mouvement qui est là vers la réalisation de votre souhait. La seule chose, comme on dit ici, quand je regarde l'ensemble des cartes, c'est l'importance de sortir de l'attente. L'importance de sortir de l'attente, c'est par rapport à votre question. Et probablement relié à cette difficulté à prendre une décision ici, concernant une personne. C'est comme si vous hésitiez là, à vous positionner devant une personne, ça vous préoccupe. Et pourtant, les cartes sont belles à partir du moment où vous allez faire un choix. Et comme je vous dis, ici, ce sont c'est une carte qui me parle de renouveau. Donc, voilà, c'est pas mal ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est vraiment ici une carte de mouvement, d'occasions à saisir, de belles opportunités qui vont se présenter à vous et on vous invite à faire un saut vers l'inconnu. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée.